Good morgen, allez, Iden les suisses aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther, Bat Myriam, ainsi que les refouats tenus vieux, Israël Shimon ben Chaya Esther, Chamchat Myriam, Bat Roselena et Binyamin ben Chibiba, Betor, Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi de nos prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Eruvin, Perektet, Mishnah Gimel, Chatser, Shenifretza, Lirshut Arabim, Mishte Ruchotea, Vechen Bait Shenifratz, Mishte Ruchotav, Vechen Mavoy Shenitlu Korotav, Ole Chayav. Mutarin beota Shabbat ve asurin latid lavo, livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, im mutarin beota Shabbat, mutarin latid lavo, vim asurin latid lavo, asurin beota Shabbat. On a une Mishnah qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, même mieux que ça. Je l'avais évoquée dans une Mishnah, une des dernières Mishnayot, en vous disant qu'on l'avait déjà étudiée deux pérecs en arrière, mais en fait, elle est maintenant. Je me suis un peu trompé, un peu décalé à cause du Daf Yomi, probablement. Et on a donc. Je commence à traduire directement, vous allez comprendre comment on parle tout de suite. Chatser shinifretza lirshut harabim mishte ruchotea. Il y a une cour dont le mur est partiellement tombé des deux côtés. En fait, on parle que le mur est tombé dans le coin, on expliquera après plus dans les détails. Pour le moment, je vais aller droit au but, après on reviendra en arrière. Donc, il y avait une cour qui est enfermée avec quatre murs. Dans un coin du mur, il y a eu deux côtés du mur qui sont partiellement tombés. Donc on a une ouverture en coin. Ou encore, Vechen Bait Shenifratz Mishte Rochotav. Vous même principe avec une maison cette fois-ci, où il y a une partie du mur qui est tombée, qui s'est cassée, avec aussi le toit. On précisera ensuite pourquoi. Le toit, donc, maintenant on a un trou dans le coin du mur, on a une ouverture qui a une largeur plus que 4 tfachim. D'accord? Ou encore, Vechen Mavoy Shenitlu Korotav Olechayav. C'est là pour le moment le sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Mavoy, on parle d'un Mavoy. Ma voix, c'est une impasse. Vous vous rappelez, pour permettre l'impasse, il faut soit lui mettre un léchi, soit une kora, c'est-à-dire, on a la voie publique. La voie publique, il y a une impasse, et que cette impasse donne ensuite sur plusieurs cours. Pour pouvoir permettre de porter dans l'impasse, alors on a déjà dit, il faut deux choses. Il faut tout d'abord fermer le quatrième mur, mais c'est pas la peine de le fermer avec un portail. On peut juste lui mettre même un léchi ou une kora. Sur le côté, on met un tasseau, ou bien en haut, on lui met une poutre pour le fermer. Ça donne une heure de lieu fermé, selon des règles qu'on a apprises longuement dans le premier pérec de Hérouville. Et donc, il faut le fermer. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait ce qu'il fallait avant Shabbat. Après, une fois qu'on le ferme, bien sûr, il faut faire le hérouv, le chitoufé mevot, amener un pain ou amener du vin, puisqu'on est dans un mavoï, et s'associer pour que ça devienne un lieu public qui appartienne à tous. D'accord? Donc, retenez, il y a deux choses quand on fait un hérouv, il y a deux parties. Tout d'abord, fermer l'endroit, qui est les quatre murs, symbolique, c'est-à-dire trois plus le quatrième mur symbolique, et puis en plus de ça, à part ça, lui faire le chitouf mevot, associer les gens qui sont dedans pour que ça fasse un seul grand domaine privé pour tous. Ça, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir porter dedans. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a fait ce qu'il fallait, et pendant Shabbat, nitlu korotav olechayav. Pendant Shabbat, le tasseau est tombé, ou bien la poutre, elle est tombée, elle a été supprimée. Alors la Mishnah m'enseigne, Motarin Beota Shabbat, ve Asurin Nazi Lavo. Eh bien, sache que pour le même Shabbat, ce Shabbat-là, puisqu'à l'entrée du Shabbat, c'était permis de porter parce que tu as fait ce qu'il fallait pour le permettre, pour rendre ce Mavoy, cette impasse, comme lieu où tu as le droit de porter pendant Shabbat, eh bien, tu auras le droit de porter pendant tout le Shabbat. Tandis que ve Asurin Nazi Lavo, mais prochain Shabbat. Ça arrivera, là, il faudra, soit tu n'iras pas avant Shabbat, soit le fait que ça a été permis un petit peu la semaine dernière, ça ne t'aidera pas pour la prochaine semaine. Divrei Rabbi Yehuda, tel est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, non, ça ne marche pas comme ça. Et Mutarin Lota Shabbat, si c'est permis pour le même Shabbat. Mutarin Lati Lavo, si tu veux permettre pour la suite du Shabbat, alors tu permettras pour tous les autres Shabbatot. Veillez ma souris Lati Lavo, et si tu me fais des problèmes et que tu veux interdire pour les autres Shabbatot. Alors, Asurin Lota Shabbat, même pour ce Shabbat-là, ce sera défendu de porter. Et on explique maintenant mieux de quoi ça parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre le focus sur la fin de la Mishnah, où c'est facile à comprendre la marque Lugat. Après, on reviendra un petit peu en arrière pour mieux préciser les deux premiers cas de figure. À savoir, en fait, on a dans notre marque Lugat, un sujet qu'on a déjà évoqué. Lorsque je fais ce qu'il faut pour pouvoir permettre de porter dans un mavoï, ou dans une cour, ou faire ce qu'il fallait. Le Shabbat entre, on est pour le moment en statut permis. Parce que y a les riz, ils ferment bien le lieu, on a mis le hérouv dedans comme il fallait, on a apporté le pain ou le vin, ou tout ce qu'il fallait. Et ce qui se passe, c'est qu'après, pendant Shabbat, eh bien, ça se détériore. Il y a deux cas de figure.
Il y a le cas où la poutre elle est tombée, par exemple. Ça, c'est la Mishnah qui en parle. Et il y a un cas aussi, un autre cas, qui est le cas où on avait par exemple mis un pain et le pain il a été mangé, il a été perdu. On l'a plus retrouvé. Sur ça, alors, il y a Rabbi Yehuda qui vient qui me dit, écoute-moi, je vais t'apprendre quelque chose. Puisqu'à l'entrée du Shabbat, ça a été permis de porter parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu restes avec cette permission pendant tout Shabbat et tu pourras porter pendant le Shabbat. Shabbat prochain arrive, là, non, ça ne marche plus. Il faut qu'à l'entrée du Shabbat, ce soit permis. Or, ce sera interdit, puisqu'il n'y a plus ce qu'il faut. La permission de la semaine dernière ne marche pas pour la semaine d'après. Rabbi aussi vient et dit, je comprends pas parce que de deux choses l'une. En réalité, il dit une seule chose, Rabbi aussi. Il dit, puisque le Shabbat prochain, tu es interdit de porter, donc tu es d'accord que c'est plus un bon mavoï. Eh bien, sache que pour ce Shabbat-là aussi, tu ne pourras plus porter. Selon Rabbi aussi, depuis le moment où la poutre tombe, le tasseau tombe, tu ne peux plus porter. Même pendant ce Shabbat, il n'y a pas de permission. En réalité, il veut rebattre la porte et nous dit attention. Si toutefois tu as voulu permettre. En fait, Rabbi aussi, il vient, hein, je ne sais plus, c'est Barthénora ou le Tosfot Yom Tov plutôt. C'est la Gemara en tout cas. Ça, c'est sûr qu'il le dit. Que selon Rabbi aussi, je vous ai dit, pour pouvoir permettre à Mavoï, il faut travailler sur deux plans. Fermer l'endroit, comme il faut, lui faire le quatrième mur symbolique, et à part ça, s'associer. Pour la question de fermer l'endroit, si la poutre tombe, Rabbi aussi dira que tu ne pourras pas porter. Mais pour l'histoire du pain qui a été mangé à l'entrée du Shabbat, par exemple, Rabbi aussi permet de continuer à porter pendant le Shabbat. D'accord ? C'est la halakha de Rabbi aussi, elle est spécifique sur les halakhot de Mechitsa, comment fermer l'endroit. Parce que pour porter, il faut forcément quatre murs, et s'il n'y a plus les quatre murs, comme il se doit, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière pour préciser davantage la fameuse maison qu'on parle. Barthénois, en fait, il nous explique comme ça. De manière générale, on a appris plusieurs fois, une ouverture plus grande que 10 amas, c'est plus une porte, c'est devenu un mur défoncé. C'est plus une porte. Moins que 10 amas d'ouverture, c'est encore un mur. C'est un mur avec une ouverture. Ça veut dire, si j'ai un mur maintenant qui tombe partiellement, il va falloir mesurer combien de amot, combien de coudées ont été ouvertes. S'il y a plus que 10 amas, ça signifie qu'il n'y a plus de mur. Il reste des morceaux de mur sur les côtés, mais il n'y a plus de mur. Donc là, ça s'appelle qu'il n'y a plus de mur. Par contre, quand tu as une ouverture de moins de 10 amas, ça s'appelle que tu as une porte. Partout où tu as une porte, tu as le droit de porter. Puisque la porte, ça ferme aussi l'endroit. Ouais, pour fermer un endroit, on peut mettre soit des murs avec des fois des portes aussi. Une porte, je te permets de faire une porte même de 10 amas si tu veux. Jusqu'à 10 amas. Maintenant, malgré tout, il y a une halakha particulière, que une porte, à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui c'est un petit peu changé dans le design. Mais à l'époque en tout cas, la porte elle était nécessairement sur un côté, on ne mettait pas des portes en angle. Ouais, on ne construit pas une porte en angle. Imaginez un portail pour une voiture, peut-être c'est encore fréquent finalement. Imaginez une porte de cour hein, avec une porte en angle, quoi. Comment il va faire pour entrer sa voiture en biais, c'est dommage, quoi, ça fait beaucoup de pertes. On ne met pas une porte en angle. Puisque tu ne mets pas une porte sur un angle qui couvre deux coins, alors il s'avère que même si ta porte elle a moins que 10 amas d'ouverture, ton mur est tombé de 2 amas d'un côté, 2 amas de l'autre. Tu n'as même pas 4 amas, tu as 2 amas. En diagonale, tu n'as même pas 2 amas, tu as 2 fois 4 cinquièmes. Ouais, très compliqué. Faut rajouter 2 cinquièmes, donc ça veut dire que tu as encore 4 cinquièmes. Tu n'atteins même pas les 3 amas sur le côté. D'accord ? Donc en théorie, tu as une ouverture. Mais non, puisque c'est plus considéré comme une porte, alors on considère qu'il n'y a plus de porte, on considère qu'il y a le mur qui a été détérioré. Et donc finalement, tu as quelque part, tu as plus ou moins 4 murs, tu as 2 vrais murs, et 2 murs supplémentaires qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout, qui n'ont pas été finis. Donc du coup, Midera Banane, on considère que maintenant, les murs sont plus ou moins tombés. Du coup, on aura le même principe avec la cour ou avec la maison. C'est la même chose avec la maison. Après, il y a une petite précision en plus sur la maison, je l'expliquerai ensuite. Donc du coup, on a pour le moment la même marque-loquette. Rabbi Yehuda va me dire, écoute-moi, puisqu'à l'entrée du Shabbat, c'était un endroit permis où tu pouvais porter, finalement, selon la Torah, c'est encore permis de porter, par rapport à l'interdit des Rabbanan, qu'on considère que c'est pas une bonne porte. Alors pour le Shabbat, ce Shabbat-là, on ferme les yeux parce qu'à l'entrée du Shabbat, tu as eu ta permission, mais pour la suite du Shabbat, c'est pas grave. Rabbi Yossi vient, il va dire, non, pour toutes les lois de Mechitzot, une Mechitza qui s'est détériorée pendant le Shabbat n'est plus une Mechitza, il n'y a plus, ce qui permettait a disparu, donc ça redevient interdit. D'accord ? Avec maintenant, je rajoute encore une dernière petite raison, c'est l'histoire de la maison qui est aussi les deux en angle. Il y a eu par exemple 2 amas et 2 amas des deux côtés qui sont tombés.
Si toutefois le plafond il reste encore au même endroit, alors ça s'appelle que l'endroit il est fermé. Parce qu'on a une autre règle, il ne faut pas l'oublier. Pi tikra yored vesotem. Que lorsqu'on a un toit comme ça, un toit plat, les rebords du toit qui ont une épaisseur, eh ben, on considère que cette épaisseur-là, elle peut descendre et fermer. C'est une halakha, on va pouvoir considérer une mechitza de la sorte. D'accord? C'est le même principe qu'on retrouve dans les halakhot de souka. Dans souka d'Afka, on ne trouve pas tellement pitikra, c'est une discussion. Mais où on considère des murs, quelque chose qui est un petit peu haut, qui va considérer comme, on va le considérer comme si il monte jusqu'au ciel, quelque chose qui est en haut, on va considérer qu'il descend jusqu'en bas. Si c'est pas complètement fermé, on considère que c'est malgré tout complètement fermé. Dès qu'il y a un morceau, un semblant de mechitza, et là, du coup, le plafond qui arrive, le bord du plafond, qui a lui-même une épaisseur, lorsqu'il arrive à l'endroit de la fermeture, donc il a quand même une épaisseur, là on se retrouve maintenant avec, à la verticale, un mur, un bout de mur. Ce bout de mur, on considère qu'il va pouvoir descendre et fermer complètement l'ouverture. Donc du coup, il faut dire que c'est pas que les murs de la maison qui sont tombés, mais même le plafond aussi, il est tombé, qu'on a un endroit qui est un coin de maison et d'angle, un coin de maison des murs et du plafond qui est complètement tombé. Et sur ça, on aura donc de nouveau la même marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda va nous dire, puisque c'était permis en Shabbat, ça reste pas permis en Shabbat, Rabbi Yossi va nous dire non. Puisque la permission à la cause qui te permettait a disparu, ça devient interdit de porter dans cet endroit-là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Vesela.